Ah oui, je dois toujours aller au théâtre, mais je ne sais pas comment y accéder, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Bon, ça c'est bon. Y a-t-il d'autres choses à voir là-dedans? Le casino, le poste de garde. Je l'ai vu. Ok. Je me trouve ici. Il y a toujours les choses là, dans les deux pièces à droite. Et ici aussi. Ouais, ben ouais. Il y a deux de carreaux qui se baladent. Caméra 1. Alors attendez. C'est la pièce à côté. La porte est contrôlée par un panneau de sécurité élaboré. Il faut avoir le bon code. Caméra 3. Où est-ce qu'elle est la caméra 3? C'est qui parle? Il a l'air d'avoir des papillons. Deux de trèfle? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah non, carreau. Il dirige vers moi. Ouais, là on se casse. On va aller par là. Là il parle à Trinity. Depuis quand les chambres sont à leur limite? Il s'agit d'une surprise. Quel menteur. Je sais pas où je dois aller. Je ne sais pas vraiment où aller. Mais si j'ai sauvé les deux. Est-ce qu'elle a encore son masque si je l'ai sauvé? Une carte en plein milieu. De nouveau un coup de feu, génial. Des choses dans ce manoir, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Ça part dans tous les sens. Je sais toujours pas où est le théâtre. Bibliothèque. Ça,
peux pas la crocheter puisque je n'ai rien pour la crocheter. Est-ce que j'ai un masque à utiliser spécifique? Maîtrise des horloges, Louis parfaite. Invitation. Alors non, c'est l'autre bouton. J'ai pas accès. Des cartes à jouer que vous avez retrouvées. Ah oui, donc il faut bien récupérer les 52 cartes, quoi. Génial. Bon. Puisque c'est pas là. Que c'est pas de ce côté-là non plus. Pour l'instant, c'est un chemin linéaire. Si le jeu m'autorise à jouer. Vestibule et salle de bal, avec là-haut un étage auquel j'ai pas accès. Oui, j'aimerais bien. J'ai pas accès non plus. Je viens d'en face, on est d'accord. Attendez. Si ça s'est allumé. Il y avait un autre truc comme ça à notre endroit, mais je me souviens plus où. Ok, donc là j'étais à l'entrée du manoir. Ici c'est quoi? Ici c'est les souvenirs. Ah, je peux faire ça. Ah, viens, j'ai découvert un truc. Ok. Ok, je m'en vais. Alors attendez. Je dois aller où exactement? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je suis paumé, moi. Là, ça me dit que je les ai déjà sauvés, sauf que... Ils vont recrever en fait. Faut-il que je retourne au poste de garde? Mon Dieu, tous les secrets qu'il y a. Ça m'aide pas, hein. Je peux pas avancer le temps. Il est en train de se bourrer la gueule. Il est certainement possible de sauver les mêmes convives encore et encore. Mais vous devez tous les aider, vous devez découvrir la cause de cette tragique affaire et y mettre un terme.
Vous avez acquis le pouvoir de Trinity, vous pouvez utiliser pour ouvrir des portes auparavant verrouillées. Alors bon, il va falloir m'expliquer comment. Quelle porte verrouillée pouvez-vous ouvrir? Et justement, j'en sais rien. Fouillez le casino. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Le casino. Porte verrouillée au casino. Est-ce que j'y suis allé là? Ah, ah non, chargement, mince. La porte est contrôlée par un panneau de sécurité, impossible de l'ouvrir sans le code. Je suis où là dans la map? D'accord. Faut accéder sur ces deux portes au nord. Mais comment? C'est le pire des travaux. Tu vas avoir l'air délicieux, ok, d'accord. Ah, c'est après. Il va falloir que j'espionne Trinity, je pense. Trinity qui doit pas être bien loin. Maintenant on espionne. Elle va en face, on y retourne. Tac tac tac. Vite, la carte, vite, 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 vite. Hop là. Trop tard. Où est-ce qu'elle va? Depuis toutes les années que je viens ici, personne ne m'avait enfermé en dehors de ces chambres. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Lucas aurait vraiment dû demander à Grayson de s'occuper. Oh punaise! Là, je l'ai pas. Maintenant, on va jouer avec l'autre. Il fait trop chaud là-dedans, où suis-je? Des bruissements d'ailes, des papillons. Qu'est-ce qu'elle fait? Un plateau de service?
C'est long, hein. Ah, ça y est, elle s'en va. Ah non. Mais c'est là où elle a eu le... La caméra, elle est là. Le point rouge, c'est la caméra. Mais je l'ai le code. Elle aime cet endroit. Bah, tu vas pas l'aimer dans quelques instants, toi. Bien que tu fasses quelque chose. Sept heures. J'ai toujours pas trouvé le théâtre. Qu'est-ce qu'elle fait ? On a l'impression qu'elle se remet en question tout le temps. Il y a quelque chose qui cloche. Et déjà, pourquoi il y a des papillons dans un manoir? Tu te poses pas la question. Je vais peut-être me cacher. Tombe. Mais c'est qui? C'était une évidence, ça. Génial. Bon. En attendant, j'ai perdu la journée parce que je sais pas où aller. J'ai besoin de trouver une porte dans le casino que je pourrais potentiellement déverrouiller. Le chargement. C'est quand même encore moins intuitif que... Génial, ça repart en électricité. C'est quand même encore moins intuitif que au Bradin. Hein. Et ça lag, c'est horrible, mais ça lag quoi. Voilà. Je ne sais pas où est le théâtre, je le cherche depuis tout à l'heure. Et le casino, mais le casino il est que dans la partie droite. Je dois avoir accès à une porte spécifique dans la partie droite. Mais ça m'aide pas plus que ça, quoi. Vraiment pas. Voilà. Là, le casino, pour moi, il est là. Où suis-je? Attendez, je me situe. Ok, là. Et après, voilà, le casino, c'est toute la partie en rouge. Sur la droite, c'est les quatre salles. Quelle est la porte qu'il me manque? Alors, une porte que je suis censé déverrouiller
à laquelle j'avais pas accès avant. Celle-là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, il est... Ah bah il est déjà mort lui, génial. Ah, là peut-être. Et non. Il y a un coffre. Hein. Ça, c'est la salle de garde. Ah bon, ben, fin de journée. Et la journée qui n'aura servi à rien. Je n'ai pas trouvé le théâtre. Je l'ai pas trouvé. Ça suffit. Bon. Je vais me rediriger vers la salle principale où des gens discutaient de choses étranges. Voilà, eux. Parlez moins fort. Mais je suis censé comprendre ce que vous dites. Normalement, j'ai le masque. Un fauteuil roulant. Elle était en train de marcher tout à l'heure. Non, j'ai dû rêver. Chère statue, vous cachez de tant de... Oh punaise. Eleanor. Le chargement, comme toujours. Bon. Vous, faut que je vous allume. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est allumé, c'est génial. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est allumé. Monsieur Goreki, vous êtes perdu, monsieur. Je sais que le manoir peut être un peu déstabilisant. Perdu? Ma famille a conçu et construit ce manoir et cette petite merde. Je veux dire qu'il est évident que je ne suis pas perdu. Bien sûr que non. Devons-nous aussi faire semblant de croire que vous ignorez que cette zone est interdite aux invités? Je cherche Lucas. C'est un très bon ami et votre employeur, alors peut-être que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais toujours pas d'où ça vient, hein, ce bruit. Hein. Un bâillement exagéré, monsieur. Oui, bien sûr. En regardant sensiblement ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je dois faire semblant d'avoir des choses importantes à faire. Comme un problème de peau de chambre dans les amis. Qu'avez-vous dit? Rien, rien, essayez de pas mourir atrocement. Ok, ben rip. Il y a un truc au pied de la statue. Hein. Non, mais si tout le monde chuchote aussi. Il n'y a pas un placard dans cette salle. J'y ai pas accès. Hein. Je n'y ai pas accès du tout. Bon, ça. Il
Il me faut un truc pour ouvrir cette porte. Mais ça, c'est pas la partie du casino. Ça, je l'ai déjà vu, tout ça. Ça m'aide pas plus que ça. Chargement. Oui, je sais, mais je sais pas où. Enfin, oui, je sais, mais je ne sais pas où c'est. Non, c'est juste pour se planquer, je suppose. Ouais, voilà quoi. Espionner. Je vais avoir besoin d'un remontant. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai un os. Et ces histoires à faire peur. Réparer les statues. Vite, 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 vite. Hop là. Tac. Non. Non plus. Non plus. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais plus. Non mais par contre le chargement, tu vas pas me faire ça toutes les salles quoi. Salle de bal, mais salle de bal c'est pas le théâtre. Injouable. Complètement paumé. Hein. Runes. C'est quoi ces runes? L'électricité qui saute toujours à la même heure. Attendez, regarde la map où je sais ce que je suis ici. Et moi, je cherche quel couloir. Celui en bas. Ok. Je sais pas si ça va avoir une influence, mais on va voir. Dans tous les cas, j'ai toujours rien compris. Comment utiliser le masque qui permet d'écouter beaucoup de choses. Papillon de nuit. Petit papillon de nuit. Un papillon de nuit. Ah, attendez, attendez. Un papillon de nuit est gravé sur sa base.
papillon de nuit gravé sur le côté. Et là, elle porte le papillon de nuit. Base, côté, porte. Code de sécurité, les gars. Et tout ça, je l'ai déjà récupéré. Donc ça m'aide pas. Ça ne m'aide en rien du tout. Mais voilà, la journée se déroule. Je l'ai perdu là, la journée, quoi. Commence là-dedans. Y a pas de placard là-bas. Que je puisse entendre leur conversation. Sinon, il y a des choses qui vont se jouer ici, là. Oui, le théâtre à 19h. Mais je ne sais pas où est ce fichu théâtre. J'en sais rien. Pouvoir accéder là. Je ne peux pas. De nouveau. Il va m'obliger à faire le tour, quoi. Qui va arriver là. Oh punaise, elle est déjà là. Et là, je me retrouve bloqué. Elle est toujours pas rentrée. Oh là là.
Vous avez acquis le pouvoir de Trinity, vous pouvez l'utiliser pour verrouiller. Oui, mais justement, je ne sais pas comment faire. J'en sais rien. Je pense que je vais chercher une solution parce que là. Là, je vais tenter quelque chose, hein, mais. Il y a ces trois statues là qui sont super bizarres. Je vais m'aider, hein, tant pis. Hein. Je sais pas, je sais pas. Déjà, est-ce qu'une solution existe? Ce serait intéressant à savoir ça. Parce que s'il faut, il n'existe pas. C'est un jeu très spécifique, indépendant. Alors, ici, il n'y a pas de solus, là-bas non plus. Il y en a bien en vidéo, mais je préfère avoir du texte. Parce que je comprends qu'il faut utiliser le masque de la madame, mais comment? Pourquoi j'ai l'autre encore sur moi? C'est ça le truc. Que des solutions en vidéo, mais j'ai pas envie de me spoiler à ce point non plus quoi. Je sais toujours pas qui est ce personnage non plus, ça m'aide pas. Maîtrise des horloges. Louis parfaite. Mais je l'ai sur moi ou pas ça du coup? C'est ça le truc. J'ai l'impression de porter le masque d'avant. C'est quoi ça? Attendez, est-ce que je viens de trouver un bouton là? Dans le casino. Faut que
j'aille au casino. Ça peut m'aider. Je ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait? 5-5-6-4. D'accord. J'ai accès aux deux du coup? Aurais-je accès aux deux pièces? Caméra 3 désactivée. Mais laissez-moi passer, madame! Oh là là. Allez, on sort. On va voir si de l'autre côté, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah yes. Mais du coup ça charge forcément. Un voile, un édifice, un vagabond. C'est difficile à dire. Le 4, une trèfle. Chaos et ténèbres. Ok. Paysage forestier. C'est quoi ça? C'est une cave à vin? Une cave à vin avec une cave tout court. Je rentre sans même faire attention, c'est pas grave. Ah, l'accès à l'étage. Le lag. Clé des vieilles habitudes, voir des détails dans l'inventaire. Une grosse clé rouillée. D'accord, ça m'aide pas. Là, j'y ai pas accès. Quelqu'un bouge. D'autres choses là-bas liées au casino. Oh punaise. Ah mais ça vient vers moi en plus. Hop là. Voilà. Il y a des gens, ils sont chelous, hein. Ça, c'est quoi, ça? Notre bar. Il y a une histoire de chaud-froid, quand même. Hein. Statue de Carrington. Ok, donc il y a un papillon gravé quelque part. Je suis à l'étage. Ça a l'air d'être un grand salon. Il y a des livres, un bureau. Un bureau ou une commode.
Il y a des aquariums. Au niveau du plan, je suis où là? Ok. Ça va me faire ça à chaque nouvelle pièce. Le poisson scorpion du veneur. Willy Blue, la flamme dans l'obscurité. Bon, je sais qui je dois sauver au moins. Je ne sais pas où aller. Le chien de mer, un petit requin à police. D'accord. Et le ptérophyllum transcendant. Ah bah bonjour madame. Une clé squelettique. Allez, je pense qu'elle est déjà zigouillée là-bas. D'autres poissons. Son corps se balance au-dessus de l'obscurité. Elle est déjà morte. Il faut que j'arrive ici avant. J'espère garder le. Normalement, c'est le même code. Bon. Elle est morte. On va explorer le reste. Le bâtard des profondeurs. Et là, c'est écrit en rouge par contre. Hein. Une horloge, elle a besoin d'être montée. Oui, on peut. Ah. Non plus. Non plus. La carpe koi est dorée. D'accord. Une amulette. C'est quoi cette amulette? Un fétiche aux allures sinistres. D'accord. Attendez. J'aimerais allumer la bougie. Moi j'espère que c'était bien des poissons. Il y a beaucoup de pièces là, je me retrouve où? Carte. Ok, on fait le tour par là, d'accord, très bien. Puissante odeur d'épices et de musc. Oh là là. Ah, alors attendez. Non. Ok. Recette pour fabriquer l'amulette affamée. Mais l'amulette affamée, je l'ai déjà, non? Apparemment, non.
bien bizarre comme comme scène là aussi. Hein. Je perds tout ça. Bon, directement, on monte à l'étage. Il faut savoir comment sauver la madame. Alors on va direct à l'étage, on va pas réfléchir. Hop là. Elle est morte à 7h, vers 7h. Au moment où il y a le spectacle. Ok. C'est pas par là. C'était pas par là. Forcément. C'était à côté. Du coup, je suis pas allé dans la salle aux papillons. Allez, le chargement. Qui est cette personne ? Allez, on récupère ça. Oh là là. On en profite pour regarder plein de choses. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran? Le monarque diabolique. Là, il est en rouge. Pointe dorée, un gros cadenas. Clé de remontage, la chambre d'amis. À faire avec cet aquarium, c'est super bizarre. Un croquis a été réalisé. J'ai pas la bonne clé, mince. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a quelqu'un au bureau, on est d'accord. Hein. Ça commence bien. L'amulette. Je crois que c'est tout ce que j'avais besoin. Moi, il y a quelqu'un là. Je rêve pas. Punaise. Ok, ça c'est bon.
une corde reliée à la cloche. Faut que je fasse un truc ici. Il me manque un item, bordel. Il me faut une pince. J'ai une seule... Mais j'en fais quoi de ça moi maintenant? Oh punaise, je crois que j'ai compris. Elle se suicide? Purée! Il y a un truc accroché au mur, quoi. Voilà, fini pour elle. Clé squelettique. C'était là sa chambre. Je sais plus. D'accord. Clé affamée repue. Et j'en fais quoi de ça? Faut que je l'amène à un autre poisson? Bon, il y a une énigme avec la truc. Avec l'amulette. Mais par contre, ça sauve pas la madame. Un item. Il me manque un item. De l'eau suinte et s'accumule sur la porte, le mur est mouillé. Du maquillage. Du papier, ok. Le grand vestibule. Et là-bas, c'est un endroit que j'ai pas accès, donc on n'y va pas. C'est bientôt l'heure. C'est fini. C'est fini, fini. Pause. Carte. Je suis ici. Là, j'ai fait tout le tour de ça. Il y a une clé que je sais pas à quoi elle sert. Oh putain.
punaise, des nouvelles salles. Je peux pas aller plus loin, d'accord, on s'en va. Mais si je peux pas aller plus loin de là et de là, où vais-je? Papillon. Je sais pas où aller. Il y a un truc avec les amulettes, mais quoi? Et cette clé là, elle sert à quoi cette clé? Elle est pas là gratuitement, hein. Et le sol là, il est mal fait, il est pas symétrique ni rien. Faut que je trouve quelque chose à faire là. Il n'y a pas d'item à récupérer. Elle s'en va de l'autre côté. Oh là là, on se calme. Vous n'auriez pas un peigne à me prêter? Bah les pattes. Ma chère, vous avez un comportement étrange. Ah! Au moins elle sera en sécurité, Mickey. Excusez-moi, je passe. Amelie a disparu, mais sans la recette dans mon bureau, les dégâts qu'il peut faire sont limités. Je me lance dans ta poursuite, monstre. Je t'empêcherai de répandre ton poison. Retournons à l'aquarium, je crois que j'ai perdu mon invitation. Quoi va se foutre en l'air? Non, là on a dit qu'on n'y allait pas, ça servait à rien. Je sais plus où est l'amulette de base, c'est génial ça. Elle, c'est pas celle qui va mourir dans le truc au papillon. Je crois bien que si, hein. Pas encore allé là, tiens donc. Ça m'étonne. Le jardin du manoir, ok. Le 4 de cœur. Vraiment pas passer. Bon, à la base, je venais d'ici. Je cherche des items. Des items.
items, mais je ne sais pas où ils sont. Où est-ce qu'elle était l'amulette? Je me souviens plus. La flamme, un visage dans l'obscurité. Mes bougies, elles révéleront. Vous me manquez tellement. J'arrive maintenant, vous m'avez tous tellement manqué. Allez, go. Je peux rien faire tant qu'elle est là, quoi. Je peux rien faire quoi, je suis censé la sauver et je peux rien faire pour le moment, je ne comprends pas quoi. Et là du coup je vais être obligé de faire le tour. Bon bah je fais le tour. Je peux pas récupérer ça, non. Ah punaise. Ok, première amulette. Maintenant faut retour. Ça. C'était dans l'ordre, celui du couloir du fond. Non, c'était lui en premier, je crois. Voilà. Bon, tant qu'à faire. De toute façon, ça fait 4 fois que je la rate. Je récupère la clé. Ensuite. Cette énigme est tellement difficile. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non, pas avec ça. Avec ça. C'est pas ça. Non, là, c'est au fond du couloir. Maintenant, faut que je retourne au fond du couloir. Punaise. C'était pas là. Salut Eleanora. Bienvenue sur un jeu un peu comme Return of the Obra Dinn, mais un peu plus space et en beaucoup de lag. Au secours. Beaucoup trop de lag. C'est pas là? Bah. Attendez. Ça a l'air vachement sympa comme jeu. En vrai, oui, il est pas mal. Et lui, il me voit pas. Je peux accéder à la salle alors qu'il est là. Il a disparu? Il est pas dans le placard. Pardon, je devrais sortir. Paumé. C'est quel aquarium? Je me souviens plus de l'ordre des aquariums. J'ai le premier, j'ai le dernier, j'ai pas la suite. C'est pas là. Là-haut, je peux pas y accéder. Là, il n'y a rien d'intéressant. C'est où ça? Là-bas, on s'en fout, je peux pas y accéder. Allez, le chargement. Ok. Bon, là-haut, je peux pas y accéder. Est-ce que ce serait là-dedans? Mais non, il n'y a pas d'aquarium ici.
S'il faut allumer toutes les bougies, par contre, ça va être chiant parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, alors attendez. Ça, c'était le premier aquarium. Rien ne se produit. Allez, fin de journée. On recommence. Comment je peux faire pour arriver à la sauver, sachant que je ne peux pas récupérer la clé, sa clé avant. Pour récupérer l'amulette. L'amulette qui se trouve... Non, là, lui, c'est le dernier poisson. Lui, c'est le dernier poisson. Ah, tout ça parce que j'appuie trop vite. Ah là là. Vite, 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 l'amulette. N'est pas ici. Bien au petit, hein. C'est pas grave, je passe quand même. C'est pas là. Pardon, excusez-moi, je passe. C'est pas là non plus. Je suis en train de me ficher complètement. Des masques, c'est pas là non plus. Punaise, c'était là. Ok, amulette, c'est fait. Donc maintenant, faut retourner ici. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Que c'est toi. C'est pas toi. Pourquoi je vais dans cette salle à chaque fois? Je me fiche de cette salle pour le moment. Là, c'est la chambre. Il n'y a rien à y faire, on est d'accord. Il n'y a pas d'interaction spécifique. Donc, je m'en vais. On remonte. Pendant ce temps, le temps passe. Là, on s'en fiche. Là, on s'en fiche aussi. C'était lui le deuxième. Ok, bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plus inventaire. Il est enfin prêt. Mais prêt à quoi? Prêt à quoi?
Attendez. S'il y avait une interaction avec le tableau. Ah non. Non plus. Et non plus. S'il y a une interaction avec ça. Punaise. De toute façon, c'est écrit quand il y a une interaction spécifique. La bougie? On est d'accord que là, c'était... couloir. Bon. Ma zone de jeu pour cette énigme, c'est ici. Les deux aquariums, c'est bon. Mais il y a un gros point d'exclamation rouge là-bas. À gauche, c'est parti. Oui, je sais, le théâtre, mais j'y ai pas encore accès. Ou alors j'ai pas trouvé comment. Excusez-moi madame, mais c'est pas l'heure de vous suicider. C'est ici? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a quelque chose qui doit se dérouler ici, mais quoi? Bougie que je sache. Qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux dans cette pièce? Le gros point d'exclamation en plein milieu là. La personne que je dois sauver, c'est celle qui se pend. Mais là, du coup, c'est déjà trop tard. Elle va me donner, une fois bien pendue, la clé pour ouvrir sa table de chevet. Mais sa table de chevet, maintenant, je m'en fiche aux dernières nouvelles, vu que j'ai déjà la recette. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai l'emplacement des bougies, j'ai l'impression, sur la carte. Avec... la bougie en bas ici. Une dans le couloir. Une tout là-haut, mais là, j'ai le passage qui est bloqué. Ça, c'est déjà... Pourquoi il y a deux points d'exclamation là maintenant ici? Je comprends pas. C'est quoi la différence? Parce que là, il y a des points d'exclamation avec un papier. Et là aussi, mais plus sur les autres. Les punaises, là où il n'y a pas le papier, c'était l'histoire des caméras. C'était l'énigme juste avant. Là où il y a le point d'exclamation, il y a l'histoire de la caméra désactivée plus le digicode. Mais ça, normalement, c'est bon. C'est fait. Là en bas, il va se faire empoisonner. Pourquoi il y a la salle en bas là? Faut que je retourne en bas? Il n'y a pas quelqu'un qui à un moment qui rentre dans la pièce où tu es dans le placard à ce moment-là pourrait te permettre de espionner. Peut-être. Mais reste à savoir à quelle heure. Ça c'est autre chose. Et pourquoi là il y a la pièce tout en bas? C'est quoi cette pièce déjà? C'est l'accès à la cave, non? Je crois que c'est l'accès à... Enfin, on peut... Je sais plus. Mais il y a une punaise sur la pièce en bas, là. Faut que je redescende. Il y a beaucoup de bougies ici ou pas? Attendez.
ce manoir est tellement grand. Il y a une bougie en bas, ouais. Il y a bien une bougie en bas ici. Ah là là. Et côté... voilà, c'est ça que je cherchais. Dis-moi qu'il n'y a pas de bougie là. Il y a une bougie ici aussi. Mais là, je sais même pas comment on y accède. C'était au tout début et depuis, je sais pas du tout comment on y accède. Et c'est bien séparé, quoi. Là, il y a marqué rez-de-chaussée. Là, il y a marqué premier étage. Alors ça, c'est quoi? C'est même pas indiqué. Je sais que c'est la chapelle, mais à part ça... Je sais pas. Bon, ben, rip, madame, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Parce que je vais pas attendre ici que les gens. Il y a personne dans les salles à côté. La clé, je sais où aller avec cette clé. Persuadé qu'il y a un truc à faire entre l'amulette des crânes et les bougies. Je pense qu'il y a un lien. Mais son discours à la madame est bizarre, quoi. Il change complètement par rapport à son état, à ce qu'elle a fait. Donc... Et ça au final, pourquoi je vais là? Je m'en fiche, je le sais déjà ça. Parce que si je vais... J'ai aucune indication, quoi. Même la recette, elle apparaît pas dans l'inventaire. Il y a personne dans les parages. J'ai quand même le droit de redescendre. Oh punaise, il y a quoi sur la table? Oh punaise. Alors le chargement, s'il te plaît, oui merci. Allez. C'est long, hein. Heureusement que c'est censé être optimisé, mais bon. Clé des vieilles habitudes. Une clé rouillée. C'est pas une clé de pendule, c'est pas une clé d'horloge. Où est-ce qu'il y avait une porte fermée tout à l'heure? Là, c'est le froid. Je sais plus.
Bon, on va visiter parce que là, de toute façon, l'énigme elle est cramée. Ici, on va partir au fond. On va voir ce qu'il y a au fond, je me souviens plus. Si le timer va être très court, faut que je me dépêche. Il me reste quelques secondes, soit une heure de jeu. Une heure dans le jeu, du moins. Ça fonctionne pas, génial. Des papillons de nuit partout. Ils m'embêtent avec leurs papillons de nuit. Un miroir. Vite, 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 vite. Une urne et ça va être fini, je peux rien faire. Voilà. Et j'ai pas vu de sortie dans cette salle. Bon, alors. On reprend. Allez, debout. Debout, debout. L'amulette. Tac. Tac. Vite, 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 vite. Tac. On s'en va. Ensuite. C'était là-haut. Vite, 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 vite. Vite. Donc le jeu tourne en boucle et tu revis sans cesse les mêmes événements jusqu'à... C'est ça, c'est exactement ça. Et dès que je résous un mystère, je pars sur un autre. Mais pour l'instant, on est toujours sur la même journée. Voilà, ça c'est fait. Tac. Ensuite. La salle des peintures, c'est laquelle? Punaise. C'est ça là? Je crois. Bon, voilà, on va voir. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher la clé? Je pense que oui, quand même. Je sais toujours pas à quoi elle sert, mais bon, quitte à la voir. Ah, le chargement, t'es casse-bonbon, hein? Sérieux? Monte. Cours. C'était pas là. C'était après. Ah, il y a quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui est rentré dans la salle. Oh, mais punaise, mais les peintures, c'est le gros point d'exclamation. Pourquoi je fais ça? Ah, bon, alors attendez. Vite, 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 vite. Ça fonctionne pas.
passage derrière le tableau. Punaise! Je peux pas. Oh là, c'est quoi cet endroit? Et je peux même pas espionner. C'est bon, elle est partie. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un crâne lumineux suspendu au-dessus du sol par des chaînes massives. Il dégage une aura d'effroi et de répulsion. Ok, si tu veux. Est-ce que je peux espionner? Non, mais je peux faire ça. La porte se déverrouille. Est-ce que je peux espionner? Bon, je tente. Ah ouais, on est dans un endroit chelou là. Le sang des marées coule dans ses veines, mais je vais y mettre un terme. Sauf si... Ah, j'ai éteint la bougie. Ok. Bon ben voilà. Ça devait être ça qu'il avait espionné depuis le placard. Ouais. Ça devait être ça. Cardio, que faites-vous ici? J'étais sur le point de commettre une chose horrible. Je ne veux pas, pas question. Ah voilà, donc elle a été manipulée par le poisson. Je suis si lasse, la fille. Lasse, et si terriblement seule. Pourquoi me sentir si seule alors qu'ils sont si près de moi? Si près. J'étais sur le point de commettre une chose horrible. Mais vous êtes là, à présent, et merci. Et bien de rien. Tu me donnes ton masque? Ouais. Prenez son masque. Seconde vue de Willow. Le masque de Willow vous permet de voir des choses invisibles pour les autres. Les fantômes du manoir apparaîtront désormais sous la forme d'un nuage bleu. Allumez les bougies vaudou de Willow pour révéler entièrement les fantômes, les entendre et pouvoir interagir avec eux. Génial. Willow peut voir l'invisible. Grâce à son masque et à ses bougies, vous le pourrez aussi. Cet endroit cache plus de choses qu'il n'y paraît. Wow! Ah oui! Ah oui, beau poisson, oui. Bonjour, Greenmaw! Je doute que vous puissiez gagner. On a encore le temps, fillette. On a toujours le temps. Allez. On repart.